oui, ça c'est gros les gars. Aujourd'hui, on est sur tes terres. Ouais, c'est ça. On est par chez moi, du coup, là, j'ai passé tout mon enfance ici. Et là, du coup, on va venir chercher les barres avec nos nouveaux leurres. On est à peu près au milieu descendante. Et on est sur des coefs, par contre, très bas. Mais il n'y a pas de vent, donc bon, ça peut jouer en notre faveur aussi. On verra bien ce que ça donne. Eh bien, écoute, moi, je suis plutôt prêt. Hâte de découvrir un peu le spot de Raph. On vient d'arriver, mais en tout cas, ça a l'air d'être magnifique dans un premier temps. Après, ben, on va voir si les barres sont mordeurs ou pas. J'espère, parce que ce sera l'occasion, comme l'a dit Raphaël, de tester nos nouveautés, notamment les stickbait. Là, on va plus pêcher au leurre de surface. Après, chacun, je pense, va mettre les coloris qu'il préfère ou qu'ils vont choisir. Et on verra ça au bord de l'eau. Okay. En tout cas, le cadre est très, très beau. Oh, le bar qu'il y avait là! Putain, il faisait 50, il est parti là-bas! Ben, il n'y a pas d'eau, hein, j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles! T'es. Je vais faire ma sirène échouée. Ça, tout à l'heure, j'y allais pas quand même. Oh! Yes! Poisson! Ah, putain, et je l'ai pris loin, c'est pas gros. Ah, c'est cool, je regardais même pas! Oh, c'est tout petit! Mais c'est cool. Au macro. Coloris macro. Hop là. Le premier. V. T'as été gourmand toi, dis donc. Bon, c'est un petit bar, mais bon, ça fait toujours plaisir. J'ai pas vu la taille, j'étais en train d'essayer de me poser sur ce caillou là, sur ce rocher plutôt. Bon allez, on va le remettre. Hop là. Il est allé escaler sous la roche. C'est qu'il est bien malin. Bon bah allez, on continue. Oh oui. Ça c'est gros les gars. Par contre ça frotte un peu contre les cailloux là. Et lui il est costaud les gars. Ouais vraiment. Ouais t'as vu? Il y a juste un au fond là-bas. Ouais. Ah oui, et il fait au moins 50 là, les gars. Si. Si, non, vraiment. Oh, si, oui. Ouais, ça, c'est un beau. Hein. Ouais. Ouais, il est joli. Hein. Ah ouais. Oh, oui. Ouais, c'est beau, ça. Ouais. Oh, oui. Oh, putain. Il fait 60. Il est magnifique, c'est un bar de roche, il est bien doré, typique d'ici, il est vraiment très très beau. Je viens de prendre un bar magnifique, donc avec le coloris automne. J'ai choisi de le prendre en silencieux parce que là c'est très calme, il n'y a pas de vent. Et bien ça a bien payé. Et il s'est pas raté. Hein. Première attaque, boum. Il est très très beau. Il fait plus de 60. Ouais. Oh, il est superbe. Et lui, bah, du coup, je l'ai pris au leurre de surface. Donc sur un au fond, là j'avais repéré un au fond. Et j'ai passé juste les roches. Il était derrière en fait, il attendait. Et là il est venu direct sur sa première attaque. Il s'est pas raté, il s'est planté les deux triples.
Là, ça va faire un sacré combat, ouais. C'était vraiment magnifique à voir. Alors, on remet ce magnifique poisson à l'eau. Donc, on espère en faire d'autres. Donc, poisson fait au maestro, coloré automne. Là, c'est idéal pour ici, en silencieux surtout. Très important. Je pense que ça a fait sa différence. Surtout pour les vieux poissons, comme ça. Et là, il repart nickel. Et il est reparti. Alors là, nous sommes actuellement à l'étal. Donc, je vais en profiter pour vous montrer notre nouveau leurre, donc le maestro, qui sera bientôt disponible. Donc, là, disponible en deux versions. Donc là, la version silencieuse. Et nous avons la version boulteuse. Il est très 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 facile d'animation. C'est un leurre qui peut être utilisé par les débutants comme les pêcheurs confirmés sans problème. Son autre avantage, c'est sa distance de lancer. Donc cela grâce à son poids, donc de 17 grammes, et sa forme, donc qui est vraiment profilée pour aller chercher des zones assez loin. Ce qui va être très intéressant pour pêcher le bord, pour aller chercher des zones assez reculées où il y a potentiellement du poisson. Donc pour ce leurre, nous avons conçu 6 coloris. Donc afin de pallier à toutes les situations, donc qu'il y ait une luminosité comme là aujourd'hui très importante avec de l'eau très claire, là nous allons prendre des coloris plutôt transparents. Et à contrario, pour des conditions météo qui sont pas très très bonnes, avec un temps vraiment orageux ou une eau teintée, là on aura des coloris un petit peu plus pétants pour aller chercher les poissons vraiment actifs, quoi, chercher leur agressivité. Oh, derrière il y en a un. Oh oui. Le petit, il l'a pris juste avant les rochers. Je lui avais dit, derrière il y en a un. Et voilà. Hop là. Hop là, il est reparti. J'ai pas pu vous le montrer, il était très vigoureux et il fermait la bouche. Il voulait vraiment pas que je le prenne par la bouche. Hop, il part doucement là-bas, je le vois. Superbe. Bon bah voilà, silencieux, coloris mulet. Superbe attaque juste avant. Juste avant les petites pierres là, c'était vraiment cool à voir. On va continuer. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Ah ouais, c'est balèze. Oh là là, le palpitant Raph. Oh, il s'est loupé. Oh là 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 là. Ouais. Celui-là m'a fait une attaque aussi grand que le leurre. Allez. Après avoir fait quelques jolies barres du bord, on décide avec les gars de rejoindre Bruno, guide de pêche depuis 20 ans en Bretagne. Il va nous emmener sur son bateau et très vite, on va enchaîner des poissons avec notre nouveau jig bruiteur. Bon là du coup ce qu'on fait c'est qu'en fait on observe les chasses, regardez. Surtout les oiseaux qui piquent. Comme là un peu derrière, on en a. Et dès qu'on arrive dessus en fait bah, c'est là où ça mord et faut vite se dépêcher à lancer parce qu'on a vu que le banc il bougeait hyper vite. Merde, je suis loin. Ouais, ouais, poisson. C'est pas mal, hein. Ah, ça c'est cool. Haut jig. Ça se bat, hein. Ça se bat bien. Ouais, ça doit être soit un Saint-Char ou soit un Lagarde. Alors par contre, vous avez vu, ça a rebougé tout de suite. Ouais. Il faut vraiment... C'est un bar, non? C'est un bar, peut-être. Oh oui, on dirait. On dirait, hein. C'est un bar. Ah ouais, bar. Il est ouais, beau. C'est un bar, ouais, super. Énorme. Magnifique. Il est beau, hein, ton bar. Oui, il est correct. Ouais, il est c'est mal, correct, hein. C'est juste le maillet. Oh, ouais, à peine. C'est pas mal. Tu l'as profond ou... Oh, je sais même pas, j'ai lancé, j'ai eu un contact direct. Hop là. Voilà, petit. Ouais, hop là. Le premier. Le décroche. Ouais. Super. Bon ouais, poisson déjà là. Le premier petit bar. Fait à peu près 36-37 cm. Superbe touche au jig bruiteur. Vraiment un beau combat pour un poisson de cette taille franchement. Allez, on le remet à l'eau. C'est d'y aller mollo. Hop là. Bah voilà, au coloris lieu, j'ai fait tomber le leurre, j'ai agité un peu et direct pendu. Premier bar. Ça s'annonce bien. Il y avait des poissons, il y avait des barres.
Voilà, si t'arrives à passer là-bas. Ouais, ça court. Ouais. Super. Ouais, ça c'est un chancheur. Ouais. Ouais, c'est rien. Jouer. Ah, c'est un macro. Un macro ? Ouais, il est beau. Un hein. Macro, ouais. Ah, cool. Ah, super. Ouais. C'est lourd, ça. Oh, c'est lourd, ça. Non, c'est pas si lourd que ça. Je sais pas. Il a loupé, non ? Il est toujours. Ah, il y est, il y est. Ouais, il y est. Ouais. C'est qu'il revient, il revient, en fait. Oh, c'est une orphie. Une orphie, oh, énorme. Une sorte de poisson. Multi-espèce. Multiple. Macro, bar, orphie, ça charge. C'est joli comme poisson, ouais. Sympa. Ça fait un combat vraiment particulier. Hein. Regarde, j'ai ça. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Oula, 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 c'est gros ça. C'est gros. Attention, c'est bar. Ça, c'est bar. Un bar ou une vieille. Une bar ou une vieille. Attends, j'ai les ouais, c'est une vieille, une grosse vieille. Une grosse ? Ouais. Ah ouais, elle est belle. Hein. Oh, attends. Ah ouais. Oh, magnifique. Ah ouais, oh, oh, oh. Ouais, hop là, le Tony Atlé. Joli, la folie, super, là. Regarde. Ah, les liens, là. Oh, elle est magnifique. Ah, c'est ouais. Joli, hein. C'est la folie. Ça, ça envoie, ça. Les jigs, c'est vraiment sympa comme pêche, là. Ça prend un peu de tout, c'est hyper ludique. Une belle vieille prio jig 20 grammes coloris chartreux. Que voilà, ça a fait un très joli combat. Très sympa. Ouais, là je suis au fond là. Ah ouais. Ouais. Poisson. Super. Il y a 7 barres de ce côté-là. Et une vieille. Ah ouais. Je disais que j'avais pas fait de vieille, ouais, tu vois, Bruno. Une barre. Bon là du coup ce matin on a enchaîné les poissons avec le casting jig. C'était une pêche vraiment intéressante sur les chasses, c'était hyper fun et puis vraiment bah, on peut toucher un peu toutes les espèces, donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec le jig. C'est multi-espèces et c'est facile, donc vraiment un leurre à avoir tout le temps sur soi quand on part en mer. Ce matin moi j'ai fait tout avec ce coloris là, c'est vraiment je trouve un super beau coloris avec des beaux reflets et l'avantage c'est que comme on l'a dit déjà auparavant, c'est qu'il est bruiteur et du coup Ça les intrigue un peu plus, j'ai l'impression, et ça peut faire la différence. Et là, on va essayer de pêcher le bar, pour ma part au stick, et toi aussi sûrement, Baptiste. Et voilà, on va longer un petit peu les plages, et essayer en surface d'en faire décoller quelques-uns, ça pourrait être intéressant. Voilà. Ah, et là, il y a plus d'eau d'un coup, là. Non, mais c'est bon, t'inquiète, un tôt. C'est bon. Ah, là, il y a plus d'eau, là. Ouais, passons. Ouais, c'est le fait de croiser, tu vois. Tu l'as laissé gracieusement, Baptiste. Ouais, merci. Heureusement qu'on a croisé. Hein. J'aurais des poches, je sais pas ce que je faisais. Ah ouais, il a bien pris. J'ai pas vu l'attaque, dommage. Ah, moi je l'ai vu. Tu l'as vu, toi? Ouais, c'était beau. Il est joli en plus. Ouais, il est correct. Super. Bah oh. Beau stick. C'est sympa. Et un coloris plutôt transparent parce que l'eau est claire, donc ça finit par payer. Hop les. Bon bah ça y est, c'est fini. Ouais, c'est fini, on a passé un super moment avec Bruno. Merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie d'être venu me voir ici sur Sainte-Marine. Bah ouais, un coup du matin, franchement c'est éclaté, que ce soit au métajig mais même au stick bait. Et on a eu la chance, Raph a eu la chance hier de faire un super bar qu'on vous mettra en vidéo de toute façon avant. Et puis on se re-rencontrera dans de nouvelles vidéos, notamment la pêche du bar au stick bait au métal jig et bientôt les leurres souples. Donc merci d'avoir visionné la vidéo et on se retrouve bientôt.